j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose d'important le 21 octobre. Tu sais quoi? Ah, ça, c'est les élections fédérales canadiennes. Les élections fédérales canadiennes. C'est quoi, ça? Siri, c'est quoi, ça, les élections fédérales canadiennes? Les élections fédérales canadiennes, c'est le moment où la population vote pour un député qui va diriger le Canada au maximum pendant 4 ans. Toute la population ayant atteint la majorité est invitée à voter. Il y a plusieurs partis qui se représentent. Cette année, nous avons le Parti vert, le Parti libéral, le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique, le Parti conservateur, le Parti populaire et plusieurs autres. N'oubliez pas que les élections seront le 21 octobre 2019. Voulez-vous que j'ajoute à l'agenda? Ben non, j'ai pas 18 ans. Ça là, c'est un selfie géant. Pourquoi vous vous présentez? Moi? J'ai deux projets. Le premier, c'est défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Puis le deuxième, c'est de faire du Québec un pays. C'est quoi vos projets pour les jeunes de Sherbrooke? La raison, d'ailleurs, chez nous, on préconise le droit de vote à 16 ans. Puis les projets pour les jeunes, évidemment, il y a toute la question de l'éducation, des loisirs, etc. Mais aussi la culture, la possibilité de s'ouvrir sur le monde, de mieux connaître le fonctionnement de la société, puis de s'ouvrir sur le monde, même voyager, s'intéresser à tout ce qui se passe. Alors, les dirigeants doivent faciliter tout ça pour les jeunes. Évidemment, il y a le secteur de l'éducation, mais il y a tout le secteur des loisirs, puis le secteur de la culture. Ce qu'il faut faire, c'est encourager les jeunes à s'intéresser à tous ces domaines-là, que ce soit la politique, le social, l'environnement, la géographie. L'histoire très important parce que là, tu sais, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Puis si tu ne connais pas ton histoire, tu peux répéter finalement les mêmes erreurs que d'autres. Alors, en tout cas, voilà moi ce que je souhaite aux jeunes. C'est sûr que la dimension professionnelle, c'est important, là, mais je te dirais que la culture, les connaissances, c'est ça qui est le plus important. C'est bien beau tout ça, mais c'est où qu'on va pour voter? Toutes les personnes de 18 ans et plus vont recevoir l'information par la poste. Que ce soit des enjeux comme le climat qui vous branche, l'économie, l'avortement, le droit des femmes ou peu importe, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est... Allez voter!